C'est le lendemain, les filles, on est jeudi aujourd'hui. Et ça y est, c'est officiel, je mets des chaussettes. Enfin, pour la première fois depuis super longtemps. J'aime trop ce look, pourtant je l'ai mis, en fait, c'était à la base pour vous montrer ce sac. Je me suis dit que j'allais créer un look autour du sac. Et puis finalement, je suis restée avec le look, parce que je trouve trop beau. J'ai remis le jean que vous connaissez, donc de la marque Moussy. Et ça, c'est ma blouse, enfin ma chemise que j'avais acheté chez Pull&Bear en début de l'été. Finalement, je l'ai pas trop portée cet été parce qu'elle tient quand même bien chaud. Et je me rends compte que pour l'automne, c'est parfait parce qu'elle est... Elle est assez épaisse en fait finalement et ça reste dans les tons neutres, beige et tout ça, et c'est donc ce genre de coloris qu'on peut... Isaac, allô, j'ai juste... T'es dans le champ. C'est le coloris qu'on peut facilement emporter avec soi en changement de saison et à l'automne et tout ça quoi. Donc j'enfile mes chaussettes, j'avais mis ça avec ces bottines et franchement ces bottines là, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à les mettre depuis que je les ai parce que j'arrivais pas en tout cas à les associer à une tenue et tout. Et là en fait en créant le look, je me suis dit que ça ressemblait au niveau des coloris. Et ces bottines là, je les avais achetées à la base sur le site de Mango, c'était pour le printemps. Et finalement je trouve que ça passe mieux à l'automne ce genre de couleurs. C'est peut-être pour ça que j'arrivais pas trop à les mettre au printemps, je sais pas trop. Mais bref, en tout cas je vais vous montrer le total look avec les chaussures. Et donc voilà ce que ça donne avec les chaussures, je trouve ça trop trop beau. Et j'aime bien en fait parce que du coup le pantalon il est bien large et tout ça, donc il y a un côté un petit peu nonchalant et tout ça. Et avec la bottine qui vient autour de la cheville, ça vient resserrer un peu la silhouette, enfin, c'est trop trop joli comme ça. Donc voilà pour le look du jour, je vais aller chercher mon sac et là ce matin, on n'est pas vraiment ce matin, on est plutôt ce midi, là ce midi on va aller avec Isaac, j'ai un colis à aller chercher, c'est mes compléments alimentaires, la L-carnitine, j'en ai plus donc j'en avais recommandé et aussi je vais rendre ce que je garde pas de chez Mango et je dois notamment rendre du coup le pantalon qui sent pas très bon et je me dis j'espère qu'elle va pas croire que c'est moi qui ai fait un truc au pantalon parce que franchement l'odeur elle prend le dessus dans tout le colis quoi, tout le paquet et en fait j'ai remarqué que même j'avais laissé des vêtements posés sur le pantalon et du coup ces vêtements là sentent aussi donc voilà ça va être assez folklore à la caisse et je sais pas pourquoi mais j'ai toujours du mal à rendre les trucs en général je renvoie comme ça c'est plus simple les colis et tout ça mais là je me suis dit vu qu'on sort bon bah c'est plus pratique et puis en plus les remboursements faut pas se leurrer ils sont quand même plus rapides quand tu les rends en caisse parce que quand tu les rends en caisse t'es remboursé dans les 24 heures je crois ou 48 heures alors que quand tu les renvoies en colis t'es remboursé je crois dans les 14 jours après que eux aient réceptionné le colis. C'est toujours délicat quand tu rends un article parce que t'as toujours peur que la personne croit que je sais pas. Enfin, j'ai toujours l'impression d'être inspectée et jugée sur ce que je vais dire quand je rends un article en magasin. Bref, donc là on y va avec Isaac. On est rentré il y a un petit moment, Isaac est parti chercher Ayane à l'école, on est allé faire quelques petites courses rapides. Je voulais aussi vous faire un point sur le masque pour les cheveux, franchement je l'ai pas, comme vous l'avez vu je l'ai posé ce matin, j'ai laissé poser quelques heures et franchement je sens carrément la différence au toucher surtout, après à l'aspect de mes cheveux, bon ils ont toujours des fourches hein, ça c'est sûr, mais en tout cas ils sont beaucoup plus doux au toucher et ils ont l'air moins secs aussi parce que franchement ils avaient l'air hyper secs depuis quelques jours. D'ailleurs j'avais même renvoyé un message à ma coiffeuse en lui demandant si elle n'avait pas une patine ou un produit à me conseiller pour les refoncer parce qu'ils s'éclaircissent beaucoup et quand ils s'éclaircissent en fait quand ils sont clairs c'est là qu'on voit le plus je trouve le côté sec, le côté cassant et tout ça alors que quand ils sont plus foncés ça se voit moins forcément. Donc voilà finalement elle m'a dit que non, qu'elle avait rien à me conseiller. Je lui ai dit oui mais je t'aime bien mais j'ai pas envie de venir te voir toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines. Tant pis je vais devoir retourner la voir bientôt mais bon enfin je laisse passer un max de temps parce que bon bah voilà j'ai pas trop envie de les solliciter non plus donc c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous l'entendez mais il commence à pleuvoir au moment où j'appuie sur enregistrer de ma caméra. C'est pas grave donc voilà ouais je voulais vous faire le point donc sur le masque et sinon je suis allée chercher donc ma L-carnitine. Donc ça c'est pour tout ce qui est muscles, complément alimentaire pour les muscles, aider au renforcement musculaire et tout ça. Enfin pas renforcement musculaire mais à la construction du muscle en fait, surtout après le sport et tout. Donc ça c'est top, c'est la L-carnitine comme ça.
Sinon, on a aussi commandé avec Isaac la protéine Sync. Vous savez, c'est la protéine qu'on prenait d'habitude à Lille, mais en fait, on se rend compte qu'on en consomme pas mal et du coup, une semaine sur deux, on doit y aller. Donc, on s'est dit, bon, on va commander en ligne, ça sera plus simple. Donc, on a pris ça directement sur leur site. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Hyper pratique, donc on en a profité pour prendre deux paquets d'un coup. Donc, comme ça, on est tranquille pendant un moment. Et puis sinon, pour ce soir, je pense que je vais me lancer dans un risotto. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé de risotto. En plus, j'ai pris des petits pois surgelés à Picard. Ah oui, on est allé à Picard, comme vous l'avez vu. Donc, on a pris des pizzas surgelées, voilà, en dépannage. Et puis, donc, j'en ai profité pour prendre des petits pois, des fruits surgelés pour les smoothies. Et je me suis dit que le risotto champignon avec des petits pois, c'est super bon. Après, il me semble que c'est une recette plutôt printanière, risotto... ou bien, je confonds peut-être avec le risotto aux asperges. Bon, c'est pas grave, hein. Un petit pois surgelé, c'est très bon aussi. Donc moi, pour le risotto, franchement, je le fais au Thermomix parce que c'est beaucoup plus simple. Je vais vous partager la recette si vous voulez. De toute façon, c'est la recette du Thermomix de l'application Cookidoo. C'est le lendemain, les filles, on attaque une nouvelle journée. Et là, avec Isaac, on va se faire une séance de HIIT. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer ça. Donc c'est parti, Growing Ananas. Sport était trop bien, c'était un petit peu plus facile que d'habitude, mais on s'est quand même bien dépensé avec Isaac. Et là, en fait, je vous montre mon Pinterest parce que je vais donc me chercher une petite tenue, sachant que là, ça y est, les températures ont bien chuté. Aujourd'hui, il pleut toute la journée, il fait à peine 20 degrés, donc voilà, on commence à sentir que l'automne arrive tout doucement. Et donc là, je vais dans Outfits et j'aime bien m'inspirer des choses que j'ai déjà sauvegardées. Donc voilà, je vais voir quel petit look je vais créer et puis je vous montrerai, si vous voulez, la photo que j'ai choisie en inspiration et le look final. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais descendre mes deux blazers qui sont là. C'est deux blazers en laine. Bon, il ne fait pas encore assez frais pour mettre des blazers en laine, mais je vais quand même les descendre, histoire de les voir ici dans ma penderie. En termes de blazers, moi, j'ai ceux-là. Celui-là, je pense que je vais... Je ne sais plus si je l'ai déjà mis en vente ou pas encore, mais je pense que je vais le vendre. Et ceux-là, c'est ceux qu'Isaac m'a donné. Mais j'ai bien envie de m'en acheter des nouveaux. J'aimerais bien en trouver des plus récents pour femmes et tout ça qui ont une coupe oversize. Pourquoi pas? Enfin, à voir. Ça sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, je suis en recherche de bons blazers. Je sais que The Frankie Shop, ils font des très bons blazers. Il paraît que Arquette aussi. Donc, à voir. Je vais encore épurer un petit peu plus ma penderie. Parce qu'il y avait des choses que j'avais gardées. Notamment, j'avais gardé ma robe de Couples. Mais là, bon, ça y est, je vais la ranger. Et ça, c'est mes shorts de sport que je vais vraiment que en été. Parce qu'après, pareil, il fait un petit peu trop frais pour faire du sport en short. Et puis, pour le reste, c'est tout. Mes t-shirts, je les laisse toujours. Parce que, voilà, je mets toujours un t-shirt en dessous d'un gilet, d'un pull, d'un blazer. Cette salopette-là aussi, je vais peut-être l'enlever. Parce qu'elle fait assez printanière, je trouve. Donc, voilà. J'ai hésité avec ces deux chemises-là, si je les gardais ou pas. Mais bon, après... Enfin, je sais pas. En fait, en ce moment, je suis très couleur neutre, soit beige, soit noir, gris, tout ça. Donc, cette partie-là, les couleurs qui sont là, si vous voulez, je me tâte à les ranger. Je vais les laisser encore un peu, mais à mon avis, je vais pas tarder à les ranger quand même. Bon, finalement, je me suis embarquée dans un gros tri. Donc, j'ai enlevé tout ça de ma garde-robe. Donc, ça, je vais le mettre dans la valise. Et j'en ai profité, du coup, pour mettre quelques pièces en vente aussi sur Vinted. Il faut vite que j'aille me préparer, mais je voulais vous montrer, du coup, la photo inspiration. Donc j'avais sauvegardé celle-ci que j'aimais beaucoup sur Pinterest. Donc moi, ce que j'ai créé comme look avec cette inspiration, donc c'est de prendre ce jean-là de chez Mango. Celui-ci, je vais bientôt le mettre en vente. En fait, j'attends justement d'avoir un autre de coupe similaire tout droit pour ensuite mettre celui-ci en vente parce que, bah, pareil, il est devenu trop grand pour moi, surtout au niveau de la taille. Maintenant, ça baille trop. Et toujours donc pour garder ce style, enfin le style d'inspiration, je vais mettre ça. Donc c'est un blazer noir, enfin techniquement il n'est pas noir, il est gris très foncé avec un t-shirt blanc. C'est un Arquette que j'ai acheté cet été et donc on en vient à ce look là. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que moi j'ai pas de chaussettes noires et pour les mocassins, je cherche justement ce genre de mocassins que j'aime beaucoup. Je veux vraiment trouver le bon modèle, de bonne qualité et tout ça, donc voilà, je prends mon temps. Mais je vais faire avec ce que j'ai pour les chaussures et les chaussettes. Mais donc voilà pour le look, donc t-shirt blanc, blazer noir et puis pantalon noir. Il me reste 2 minutes dans la carte mémoire, il faut que je la vide.
Je porte le rouge à lèvres Ruby Woo de chez MAC. Je vais changer de batterie et je vais vider ma carte mémoire, je reviens. Me voici donc prête pour la journée. Dans l'idéal, j'aurais dû vous montrer ce look avec des chaussures, mais honnêtement, j'ai pas prévu de sortir pour l'instant. Donc je vais rester comme ça. Mais je pense que si je sors, soit je mets mes bottines à idée que je porte depuis plusieurs automnes, hiver, enfin depuis plusieurs années maintenant, soit je porterai mes bottines de chez Mango, les pointues, je sais pas trop. Mais ouais, en tout cas, voilà pour le look vestimentaire, on va dire. Donc le blazer avec le t-shirt. J'ai sorti les bijoux. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait comme ça de superposition de collier. Donc je me suis dit que voilà, que j'allais faire, que ça changerait. J'ai mis aussi mes bagues, ce sont les Bimad. Vous les aimez beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pareil pour ce collier, c'est un Bimad aussi. C'est le même pendentif vert que la bague, c'est la même pierre. Et là, j'ai celle-ci aussi. Je vais peut-être vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Et pour les colliers, donc les voici comme ça. Ça, c'est le collier, le médaillon, le Colette que j'avais eu de la bijouterie Lepage quand j'avais fait ma collaboration avec eux pour la fête des mères. Donc là, je vais m'affairer au repas de ce midi. On n'a pas encore mangé ce matin, mais il est déjà midi 10. Donc je me dis, autant faire tout de suite le risotto. Parce que finalement, hier soir, j'ai pas fait de risotto parce qu'Ayane n'aime pas le risotto. Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire autant garder ça pour le midi quand il est à l'école. J'ai sorti les champignons. Le risotto, enfin le riz à risotto plutôt. Bon, j'ai toujours pas de parmesan, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, on va se faire le risotto. Avant de faire le risotto, je voulais mettre un petit coup de sambon dans la maison. Donc soit je mets de l'huile essentielle, soit je mets ma lampe berger, soit j'allume une bougie, je sais pas trop. Ça, faut que j'en mette aux toilettes, tiens. En fait, non, en fait, il faut que je demande à Isaac qui m'ouvre cette bouteille. Je n'ai toujours pas demandé. Donc ça, et normalement j'ai les bâtonnets diffuseurs avec. Ah, ils sont là. À la base, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais rangé ce tiroir avec vous. C'était super bien rangé. Mais depuis, avec le temps, les trucs s'accumulent. J'avais eu ça en cadeau de la part de Rituals. En fait, quand j'étais partie acheter bah, justement tout ça, j'avais dépassé un certain montant. Je crois que c'était 50 euros ou je sais plus. Ou bien avec ma carte cadeau, je me souviens plus. Et donc, ils m'avaient offert ça. C'est une crème pour les mains avec un savon pour les mains. Ok, donc on y voit plus clair. Du coup, j'ai rangé un peu, mais je sais pas ce que je vais brûler. Bon, allez, je vais brûler ça. C'est une bougie qui était dans le tiroir, que j'ai pas beaucoup utilisée. C'est une bougie au parc et c'est la senteur bois d'oud. Et c'est joli, je trouve, marron comme ça. Ça, je vais demander à Isaac. En fait, la dernière fois, j'ai essayé de le déboucher, j'ai pas réussi du coup. Et vu que c'est un truc, en fait, vu qu'il y a du liquide à l'intérieur, j'ai peur que ça m'explose à la figure. Du coup, j'ose pas mettre trop de force. Ah, et Isaac, il descend. Tu peux m'ouvrir ça? Je pense souvent. Bah, faut tirer en fait. Hein. Mais fais gaffe, il y a du liquide à l'intérieur. Bravo! Merci, baby. Bon, voilà, du coup, j'ai mis un semblant d'ordre dans le tiroir. Donc là, vous savez, c'est le diffuseur là que j'aime beaucoup à la figue. Donc, il est dans le pot là-bas. Je ne sais pas si vous voyez avec les bâtonnets. Ça, c'est la recharge que j'avais prise du coup pour ça. Et en fait, j'ai un autre carrément diffuseur comme ça. Ah oui, je me souviens, c'est parce que j'en avais pris un pour la salle de bain. Voilà, c'est bon. Maintenant, je m'en souviens, je me disais, bah, mince, pourquoi j'en ai pris autant. Après ça, c'est des affaires de cirage, enfin pour les chaussures et tout ça. Bon, c'est surtout en hiver avec les bottines en cuir et tout. Après, c'est tout. Il y a du matériel pour tout ce qui est nettoyage de lunettes. Vous savez que moi, j'adore ce produit. Donc là, je vais allumer ça. Je vais me faire une petite ambiance dans la cuisine pendant que je fais à manger. Et ça, je vais le mettre dans les toilettes. Et sinon, les filles, trop contentes. Le livreur est passé tout à l'heure, donc on a reçu nos protéines. Alors, on a commandé deux paquets, mais en fait, ils les ont envoyés en petit format. Mais le vendeur de la boutique où on va normalement pour acheter nos protes, il nous avait dit qu'ils étaient en train de revoir leur packaging. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils en ont envoyé plusieurs petits plutôt que deux grands. On en a pour un mois, avec deux grands paquets normalement. Donc ça, c'est top, sachant que c'est pour Isaac et moi. Je vais allumer ma bougie. Hop, et on s'attaque au risotto. Thank you.
Et ben vous savez quoi les filles, on s'est régalé Isaac et moi avec le risotto. À la fin, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai rajouté les petits pois parce que hier soir pour le dîner, j'avais fait des petits pois en accompagnement pour le dîner. Et il en restait un petit peu et donc je me suis dit tiens, ben, je vais les ajouter à la fin vu qu'ils étaient déjà cuits et assaisonnés et tout ça. Sinon, je suis deg, j'ai mon olivier, je sais pas, il commence à... En fait, ça fait plusieurs jours qui me lâche 3 feuilles dans le pot tous les jours. Alors je sais pas pourquoi, parce que je fais attention à bien maintenir la terre humide. Il est exposé voilà face à la fenêtre. Et en fait, vous voyez, tous les jours en fait il me lâche comme ça 3 feuilles. Donc je les enlève au fur et à mesure, mais je sais pas si c'est normal parce que peut-être qu'il a été bougé par rapport à la braderie, le temps qu'il se refasse, enfin qu'il s'habitue à sa nouvelle place et tout ça. Ces derniers temps, il a pas fait très beau, il a fait assez gris, donc il n'y a pas de soleil comme ça franc, on va dire, qui sort. Donc je sais pas trop. Ou alors c'est parce que au contraire, je l'ai mis devant ma vitre de mon bureau en plein soleil et peut-être que ça chauffait beaucoup trop pour lui. Je sais pas trop. Donc s'il y a des expertes en olivier nain ou en plantes vertes de manière générale, je veux bien des conseils. Et sinon, Isaac est parti chercher Ayane à l'école. Et moi, je vais aller l'emmener chez le coiffeur parce que ça fait un moment qu'il n'est pas allé. Enfin, il était allé à Londres avec son père. Mais en fait, Ayane, il a des cheveux assez épais qui font qu'en fait, quand ses cheveux poussent, vous voyez, ils ne tombent pas comme ça. En fait, ils partent en épi. Donc Ayane a besoin d'être souvent... Enfin, il faut que sa coiffure et sa coupe soient entretenues parce que sinon, ça peut vite partir en hérisson, quoi, on va dire. Même s'il est trop mignon comme ça, bah, moi, je trouve ça chou. Mais c'est vrai que même des fois, le matin, quand il se réveille, s'il a dormi dans une position, bah, voilà, ça lui fait un épi et tout. Donc il faut souvent aller chez le coiffeur pour Ayane. Il a des cheveux qui poussent très vite en plus. Mais c'est bien. À chaque fois, je lui dis que c'est signe de bonne santé. Et sinon, j'ai aussi reçu mes compléments alimentaires. Et en fait, ça, c'est des compléments alimentaires. Alors, ceux-là, c'est pas exactement ceux que m'a conseillé ma naturopathe. Qu'elle m'avait donné des liens précis, mais il y en a certains qu'elle m'avait donné avec des liens précis sur le site de Donatera. Mais vu qu'il me manquait quelques trucs, je me suis dit bah, je vais tout prendre là-dessus, sachant que j'avais aussi une collaboration avec Onatera sur Instagram. Du coup, j'en ai profité pour faire le plein de magnésium, donc j'ai pris ça. Après, j'ai pris la rhodiola. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ma première naturopathe m'avait conseillé d'en prendre pour tout ce qui était SPM. Et je vous avoue que je m'étais dit, ouais, bon, une plante, qu'est-ce que ça va faire à mes SPM? Moi, il me faut un truc beaucoup plus costaud. Et finalement, elle avait raison, parce que la rhodiola, en fait, c'est une plante adaptogène et c'est un peu comme la chouaganda. Enfin, pour le côté adaptogène, et donc voilà, ça permet vraiment de se calmer et tout ça. Donc finalement, j'ai pris ça, et je vous avoue que mes SPM ont bien diminué avec ce genre de complément, avec le suivi de ma naturopathe actuelle et tout ça. Franchement, je suis passée de 10 jours de SPM à 3 jours, et là, plus récemment, mes toutes dernières règles là qui viennent de se finir, ben, j'ai eu peut-être un jour de SPM. Je crois que c'était que la veille où j'étais voilà comme ça. J'ai encore des petits symptômes, mais hyper légers comme la rétention d'eau, mais j'en fais que, enfin très peu maintenant. Enfin, j'en fais en tout cas beaucoup moins. J'en fais encore, mais beaucoup moins. Pareil pour les sautes d'humeur. Je me sentais des fois un peu irritée, tout ça, mais c'était gérable. En fait, j'arrivais à le contrôler, alors qu'avant, ça prenait vraiment le dessus sur moi, surtout, et je me sentais victime en fait de ça. Moi, ouais, et puis la fatigue surtout, ouais, j'étais crevée avant, alors que maintenant je pète encore le feu. Je peux continuer à faire mes séances de sport, alors qu'avant, la semaine qui précédait mes règles, c'était impossible. Je faisais presque pas de sport, voire même pas de sport du tout, et même pas de sport du tout pendant ma semaine de règles, alors que là, même pendant ma semaine de règles, je fais 4 séances de sport pendant ma semaine de règles, pardon. Je reviens de loin, vous le savez, donc pour moi, c'est vraiment une énorme victoire. Finalement, j'aurais pas eu besoin ni de pilules ni quoi que ce soit, c'est que des compléments alimentaires, et je lui dis à chaque fois, je serai toujours reconnaissante, enfin je serai toujours grateful auprès de ma naturopathe. Là, j'attends Ayane en fait. J'ai sorti mes bottines, je vais aller mettre des chaussettes, en plus il pleut toute la journée, donc je sais pas quelle température il fait. Il a pas fait très chaud aujourd'hui. Ouais, là il fait 19 et c'était le max de la journée. Et c'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai, vous savez, sur mon application de météo, j'ai toutes les villes en fait. Les villes que j'aime, enfin les villes ou bien les villes où on est allé, tout ça. Genre même à Portici, il fait encore 29 degrés, à Ibiza, il fait 31, à Milan, 28, à Bordeaux, 24, à Lyon, 25. Et c'est marrant parce que certaines me disaient, oh là là, mais comment tu fais pour déjà t'habiller comme ça et tout, il fait encore chaud dans le sud. Mais dans le nord, c'est pas tout à fait la même météo que dans le sud, si vous voulez. C'est le lendemain, on est samedi, il fait beau.
Et là, je vais pas tarder à partir parce qu'en fait, j'étais invitée à un événement de yoga sur l'île. Donc ça s'appelle les Yogis. C'est un centre qui se trouve au niveau de la rue Gambetta, pour celles qui connaissent, donc en plein centre-ville de l'île. Et je vais aller découvrir ça. Je suis jamais allée dans ce centre-là. Et je me suis dit que ça serait sympa du coup de vous embarquer avec moi. Donc je me suis préparée. J'ai mis une tenue de sport. Alors c'est marrant parce que moi j'ai tellement l'habitude de faire du sport à la maison que du coup, enfin je fais pas spécialement gaffe à voilà la couleur de mon legging, est-ce que c'est assorti à mon top et tout ça. Donc là je me suis dit mince, je vais faire du sport en public. Enfin, il fallait que je mette quelque chose de correct quoi forcément. Donc voilà, puis je voulais éviter les couleurs un peu trop flash et tout parce que moi j'ai des leggings, bah, vous les connaissez, des leggings fluo, des brassières, enfin voilà, dépareillées. Enfin voilà, c'est pas forcément harmonieux et assorti en termes de tenue. Du coup j'ai pris mon débardeur End of the Story. D'habitude je le mets pas pour faire du sport, mais là je me suis dit bon, moi c'est une couleur un peu neutre avec mon legging. Alors ça c'est à la base, c'est pas vraiment un legging de sport, c'est mon legging H&M. C'est un legging comme ça en imprimé, espèce de serpent. Puis voilà, puis j'ai mis une brassière de sport en dessous. Et puis voilà, et pareil, c'est vrai que ça fait super longtemps aussi que j'ai pas fait de sport en groupe, on va dire. Et encore moins du yoga. La dernière fois que j'étais allée faire une séance de yoga, c'était quand j'étais à l'ouverture de Salty Days. Franchement, le yoga, en fait, j'aimerais bien savoir maîtriser le yoga. Mais le truc, c'est que je suis pas du tout souple. Et donc, dès qu'il faut faire le chien tête en bas, j'ai les jambes qui sont déjà pliées. Enfin, bref. Donc on verra, ça risque d'être drôle, mais en même temps ça risque d'être super sympa de pouvoir découvrir comme ça ce nouveau centre. Pourquoi pas peut-être rendre ça un petit peu plus régulier, je sais pas, en termes de pratique et tout. Mais c'est vrai qu'en plus la souplesse est super important même pour la santé, enfin surtout plus on vieillit et plus être souple c'est important quoi, pour que le corps voilà, puisse s'adapter au changement et qu'il soit pas trop raide et voilà, enfin tout ça c'est important, bref. Donc je vais pas tarder à partir, d'ici une dizaine de minutes je pense, et puis je vous embarque avec moi. Feel like falling deeper. All the nights 난 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 좋던 내 사랑이 식어 기대만 하는 것도 난 힘들어 No I can't just can't 가져 내 마음을 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에 On est dimanche aujourd'hui. Alors les filles, il fallait absolument que je vous montre parce que c'est trop mignon. En fait, j'étais en train de faire à manger et on est rentré. Enfin, je suis allée chercher Ayane chez mes parents tout à l'heure. Isaac et moi, on avait envie de manger des nachos et Ayane, on est rentré un petit peu tard, donc lui, il a mangé avant. Et nous, parce que demain, il y a l'école forcément. Et Isaac et moi, du coup, on va manger à deux et le temps qu'Isaac finisse de préparer les nachos et tout ça. Et donc Ayane, il dit, maman Isaki. Attendez, ne bougez pas, je vais vous préparer une table en amoureux. Et franchement, c'est trop mignon, regardez ce qu'il a fait. Il nous a préparé les deux tables, parce que comme vous le savez, on n'a toujours pas de table basse pour le moment. Et il a préparé ça, je trouve ça trop chou, même avec la bougie et tout, avec la petite carte I love you. Trop mignon. Sinon, aujourd'hui, honnêtement, vous n'avez rien raté. J'ai pas vlogué du tout, parce qu'en fait, c'était une journée assez chill. Donc, on a pris notre temps. Ce matin, j'ai fait une séance de sport. Haut du corps, ensuite j'ai pris une douche, j'ai chillé un petit peu, on a regardé, on a pas mal chillé dans le canapé avec Isaac, on a regardé Netflix. On a fait que ça, il a dit. Non mais c'est vrai que, ouais, un vrai dimanche, voilà, c'était un vrai dimanche. Et ensuite, donc moi je suis partie chercher Ayane donc, chez mes parents. Je me suis pas lavé les cheveux parce que je les ai lavés hier. Je pensais faire, vous savez, comme le rituel du dimanche et tout ça. Mais je me suis dit que c'est pas grave, je le ferai demain. Surtout que demain je vais faire mon tout premier drainage lymphatique. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'en avais fait un déjà quand on était allé à Montpellier, mais c'était pas vraiment un drainage lymphatique. C'était un massage avec en fait. Enfin, j'avais demandé qu'elle fasse un petit peu de mouvement lymphatique, mais c'était pas un vrai drainage à proprement parler avec donc la méthode. De Renata Franca et tout ça. J'ai été gentiment invitée par une personne qui a ouvert un salon. Et donc j'ai rendez-vous demain, donc ouais, j'ai trop hâte, ça va être chouette. Ah ouais, et donc aujourd'hui j'ai pas fait de soins visage ni rien, mais je me suis mise de l'auto-bronzant, je me suis dit comme ça pour attaquer la semaine. En fait, c'est vrai que c'est pas une habitude que j'ai, mais je pense que mettre de l'auto-bronzant le dimanche pour être bronzée toute la semaine, je trouve que c'est une bonne idée. Donc du coup, j'ai mis une grosse couche, j'en ai mis plus que d'habitude. Ça se voit peut-être, j'ai peut-être l'air un petit peu orange, mais c'est parce que j'ai pas encore rincé l'auto-bronzant. Et sinon, je suis à la dernière semaine de mon traitement Jouvence.
Donc il me reste encore jusqu'à mercredi. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que quand vous êtes à la fin, quand vous êtes à vos derniers aligneurs, bah, ils vous envoient un mail en disant voilà, c'est bientôt la fin, tout ça, tout ça. Et ils disent bien que si on est content du résultat, vous pouvez faire une demande des trucs de contention là pour la nuit, des aligneurs de contention. Mais le truc, c'est que moi, je me rends compte que là, quand je mords, eh ben, mes molaires du fond, elles se touchent pas. Et normalement, vous savez, ça doit s'emboîter. Je vais appeler le service, c'est pas le service après-vente, mais le service client plutôt. Parce que le suivi est super bon et c'est possible que des fois, à la fin, il faille refaire des empreintes pour refaire quelques aligneurs de plus pour la fin, pour si on sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc là, en l'occurrence, je sens qu'en fait, c'est surtout mes dents de devant qui mordent. Et mes dents de derrière, du coup, il n'y a pas de contact. Donc, je vais les appeler, je pense, peut-être demain, sûrement. Ouais. Voir un peu ce qu'on peut faire. Mais donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller chez le dentiste, refaire des empreintes pour qu'il refasse les aligneurs manquants pour arriver au résultat désiré. Donc là, c'est dimanche, comme je vous l'ai dit. On va se poser avec Isaac. Après, moi, je vais aller prendre une douche pour rincer mon autobronzant parce que je dors pas avec mon autobronzant. Et je me rends compte que, vous savez, j'avais fait mes séances là d'orthodontiste. Pour faire tous les sons S et tout. Et en fait, la dernière séance, je l'ai jamais réservée. En fait, elle arrivait à chaque fois à me caser quand il y avait des annulations de rendez-vous et tout. Et à la dernière séance, elle avait mis en place un système de prise de rendez-vous en ligne, un peu comme Doctolib. Mais le truc, c'est que j'ai jamais pris rendez-vous, je devais le prendre. Et du coup, il me manquait une séance. Bon, après, on était tout à la fin. C'était vraiment que pour des petits... Enfin, la dernière séance, tout était... Enfin, je maîtrisais déjà bien tout en termes de prononciation des différents sons et tout. Mais j'ai l'impression que les S, je les dis encore pas bien, S. Parce qu'à la fin, elle m'avait dit de compter de 1 à 20. Et quand je compte, par exemple, 16, 17, 18, je dois faire bien attention à ce que... Je serre en fait les dents. Et c'était pour ça à l'époque qu'elle m'avait expliqué que j'avais les dents qui avançaient à cause de ça. En fait, quand j'y prête attention, quand je dis 60, 16 et tout ça, je fais gaffe. Mais quand je parle dans une phrase, bah, mes vieux réflexes reviennent. Faut que je fasse gaffe. Parce que sinon, tout ce que j'ai fait là en termes de traitement d'aligneur, ça va pas durer, même si j'aurais mes trucs de contention. Faut savoir que j'ai déjà porté un appareil quand j'étais adolescente. Et en fait, mes dents ont continué à bouger parce que justement. Comme avait dit mon orthophoniste, je plaçais mal ma langue. Sinon, ce soir, il y a complément d'enquête. Alors là, cette émission, je l'attends de pied ferme parce qu'en fait, ça va faire du bien au monde de l'influence et tout ça. Et même moi, en tant que créatrice de contenu, alors je me sens pas concernée par ce qui est dit et tout ça, et même par les produits, les marques qui sont mises en avant par ce genre d'influenceurs. J'estime en tout cas qu'on fait un métier qui est complètement différent, même si c'est le même finalement. Mais pour moi, enfin voilà, je suis à des années-lumière de tout ça. Mais c'est vrai que je suis bien contente qu'il y ait des choses qui soient dénoncées finalement. Parce que des fois, tu vois des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette émission va donner. C'est le lendemain, les filles. Si j'ai la tête un petit peu gonflée, c'est parce que je sors littéralement de mon drainage lymphatique. Je vous ai pris quelques photos pour Insta. J'ai pas eu le temps de filmer ou quoi. Puis de toute façon, c'est dans une pièce assez sombre. Mais si vous voulez, je vous mettrai ces infos en barre d'infos. Franchement, c'était super sympa. Donc, elle s'appelle Madeline. Elle m'a gentiment offert, en fait, la séance. Et ça m'a beaucoup plu. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout qu'en plus, j'ai réintroduit un petit peu de gluten et tout ça dans mon alimentation. Et en fait, je sens que finalement, mon corps n'est pas encore prêt à recevoir comme ça de la farine de blé, du gluten et tout ça. Pourtant, je prends quand même des bonnes farines et tout ça, complètes et tout, mais ça passe pas encore. Et du coup, ce matin, j'avais pris une tartine de pain de seigle. Et en fait, j'ai senti qu'au niveau de la digestion, ça passait pas. J'avais le ventre gonflé et tout ça. Et donc, c'est ce matin que je me suis dit que finalement, mon corps n'était pas encore prêt pour le gluten. Et du coup, elle m'a massé le ventre et tout. Ça m'a fait un bien fou. Et là, je sens que tout mon système digestif est hyper léger, hyper détendu. Donc voilà, c'était une découverte pour moi, le drainage lymphatique. C'est la toute première fois que j'en faisais vraiment un. Je pense vraiment que je referais parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et comme moi, je fais pas mal de rétention d'eau et tout ça, elle a vu forcément mon corps. Et elle m'a dit que j'en faisais... Parce que j'avais dit que normalement, c'était en deuxième partie de cycle, donc un petit peu avant mes règles, mais elle a vu déjà que j'en faisais un petit peu autour des genoux et tout, enfin super intéressant. C'est une super bonne découverte et je pense que ouais, je pense que je referai des drainages lymphatiques. On est mardi aujourd'hui les filles, avant de clôturer la vidéo, je voulais déjà vous remercier pour vos participations du coup pour les deux concours que j'ai préparés, enfin que je vous ai partagés dans les vlogs précédents, et là du coup avant de clôturer le vlog, j'avais envie de vous faire un autre concours, donc je vous ai préparé une box avec plein de jolis produits
produits comme ça. Je vais tourner la caméra pour que vous les voyez mieux. Donc pour commencer, et je pense que c'est vraiment le plus gros de cette box, c'est ce spray Tea to Tan de chez By Terry. Ce produit, il est juste incroyable. En fait, c'est un spray que vous venez pchiter sur votre visage. Alors soit vous pchitez directement sur vous, soit vous pchitez sur un pinceau. Et ensuite, vous venez l'appliquer. Ça va donner vraiment bonne mine et tout ça. Alors c'est pas un auto-bronzant hein, parce que ça va pas colorer la peau. Donc c'est-à-dire que c'est lavable. Donc quand vous allez l'appliquer, quand vous allez vous démaquiller, je veux dire en fin de journée, bah, ça va s'enlever aussi. Vous pouvez aussi le mettre sur les bras, sur les jambes et tout, enfin comme vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui va venir donner bonne mine et tout ça. Et ça s'appelle Eau de Soleil, Hydra Bronzante. Mais encore une fois, c'est pas un auto-bronzant. Donc il y a ça, donc c'est en full grand format. Soit vous le mélangez et comme ça vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Soit vous l'utilisez non mélangé et vous allez voir que les paillettes vont stagner au fond. Et vous pouvez vous servir juste du côté bonne mine quoi. Ensuite, je vous ai mis ça. Donc c'est un vernis Essie. La teinte c'est la teinte 40. Ah voilà. Fairy Tailor. Donc comme ça, un nude super joli. Là, vous avez une ombre à paupières comme ça sous format gel. Trop joli aussi. Il y a également un sérum de By Terry. By Terry, n'importe quoi, c'est parce que j'ai lu Bye Bye. De It Cosmetics, pardon. Vous avez aussi une brosse comme ça exfoliante pour le corps. Donc ça, c'est pratique sous la douche. C'est une brosse, vous savez, en silicone. Ensuite, vous avez un échantillon de parfum Nomade by Chloé. Donc voilà, donc je vous glisse tout là-dedans. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous mets comme d'habitude les conditions de participation. C'est toujours les mêmes de toute manière. Et puis voilà, puis j'espère que ça fera plaisir à l'une d'entre vous. J'en avais parlé sur Insta, mais je sais plus si j'en ai parlé ici. En fait, Ayane voulait absolument faire du basket et on n'a pas trouvé de club de basket dispo parce que celui dans lequel il devait en faire normalement, la dernière minute, il nous a envoyé un mail peut-être une semaine avant la rentrée en nous disant que finalement, ils étaient en sous-effectif, ils manquaient d'entraîneurs et que du coup, ils ne pouvaient pas créer une nouvelle équipe et que donc Ayane, parmi d'autres enfants, ne pourrait pas faire de basket dans ce club-là. Et en fait, on a trouvé un autre club pas trop loin de la maison finalement. On y est allé un peu au culot comme ça la semaine dernière en demandant s'il y avait encore des places. À la base on voulait appeler mais il n'y avait pas de numéro de téléphone sur leur site et donc l'entraîneur était pas sûr mais il nous a dit peut-être que oui, enfin je sais pas si c'était l'entraîneur finalement mais en tout cas c'était quelqu'un qui travaillait là et il nous a dit il me semble qu'il reste encore des places, faites une demande en ligne d'inscription et puis venez faire la séance d'essai. Donc c'est ce qu'on va faire demain, donc demain il fera sa séance d'essai. On n'a pas eu de retour par rapport à l'inscription mais bon, on va quand même y aller demain et on verra ce qu'on nous dit. Je vous tiendrai informé mais bon, j'espère vraiment qu'Ayane pourra en faire parce que ça lui tient vraiment à cœur. Et sinon update par rapport à mes aligneurs, là je les porte pas, donc j'ai envoyé un mail à Jouvence, comme ça je vous explique en même temps comment ça se passe, ça peut être aussi sympa pour vous d'avoir un retour d'expérience là-dessus. Je leur ai dit que je sentais que l'alignement finalement n'était pas encore complet, donc j'ai envoyé un premier mail, ils m'ont répondu tout de suite dans la journée en me disant qu'il n'y avait pas de souci, que je devais envoyer des photos de mes dents, chose que j'ai faite hier. La personne du service client m'a répondu en me disant qu'effectivement elle avait transmis mes photos à mon orthodontiste, qui a dit qu'effectivement on pouvait corriger encore en ajoutant quelques aligneurs de correction. Donc ça c'est chouette, donc je vais devoir en porter encore je sais pas du tout combien, je voulais vous tenir informé au cas où, mais en tout cas c'est super bien fait même pour le service client, pour le suivi et tout ça, et ils sont hyper réactifs et tout, donc je suis super contente. Puis bah écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions à me les laisser en commentaire, n'hésitez pas aussi à participer au concours si ça vous intéresse, puis voilà, on reste en contact de toute manière par ici et sur Insta. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.